Photo, Baby George va intégrer, le 7 septembre prochain, l'une des plus prestigieuses écoles d'Angleterre. Mais selon l'une des voisines de cette école, il ne serait pas vraiment en sécurité. Baby George va prochainement faire sa rentrée. Le prince le plus mignon d'Angleterre va découvrir, le 7 septembre prochain, la Thomas Battersea School, où en plus d'apprendre, il va être chouchouté. Mais, selon une Britannique qui habite à côté de l'établissement, Baby George ne serait pas en sécurité. En effet, Sarah Burnett Moore, âgée de 54 ans, a indiqué au Télégraphe qu'elle était parvenue à entrer dans l'école sans que rien ne lui soit demandé. Elle expliquait ainsi, « Je vis à seulement 200 mètres de cette école et je m'inquiète, ainsi que de nombreux voisins, de la sécurité, d'autant plus que la présence du prince George fait de ce quartier une cible pour les attaques. » Elle ajoutait, « J'aurais pu marcher avec une bombe sur moi et la programmer pour jeudi. » Néanmoins, jeudi, des forces spéciales devraient accompagner Kate Middleton, qui attend son troisième enfant, le prince William et Baby George à cette rentrée des classes très spéciales. Pas de cordon bleu pour Baby George quoi qu'il en soit, le jeune prince aura droit à un régime très spécial dans cette école. En effet, pas question pour Lou lui de manger des repas déséquilibrés, tout a été préparé. Au menu, viande fraîche, légumes bio, couscous, maquereau fumé.